Catherine Chalier, bonjour. Bonjour. Catherine Chalier, c'est un très grand plaisir de vous accueillir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur d'une œuvre considérable et que vous êtes considérée comme l'une des plus grandes figures de la philosophie juive contemporaine. Vous venez de publier aux éditions du seuil un très important et très bel ouvrage sur la question de la lecture de la Torah intitulé sobrement Lire la Torah. Un livre précis et précieux qui souligne pour notre époque une urgence certaine à repenser la question de la lecture de la lecture de la Torah, la manière dont elle a été lue à travers les siècles, les multiples lectures de, de ce texte, la question de son historicité, de sa vérité, nous proposant ainsi à trouver de nouveaux chemins pour se confronter avec les philosophies de la totalité et les idéologies, avec les divers fondamentalismes, qu'ils soient positivistes ou religieux, et proposer aussi une autre manière possible de lire ces textes que vous appelez lecture spirituelle. C'est pour vous une troisième voie entre la lecture historico-critique et la lecture fondamentaliste. Nous consacrerons deux émissions à ces questions. La première, aujourd'hui, traitera de la question de la lecture historico-critique et de l'interprétation des textes selon la tradition juive, ainsi que de la conception du temps et de l'histoire développée par l'herméneutique hébraïque. Et une seconde émission, la semaine prochaine, qui sera consacrée à la question des lectures fondamentalistes et de la manière dont la lecture spirituelle que vous proposez permet de s'y confronter et d'en éviter les pièges. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qu'on appelle la lecture historico-critique. Quels sont ses rapports avec la question de l'histoire Comment et quand est-elle née Quelles en sont les qualités et ses défauts, voire ses dangers Quelle est son actualité Catherine Chalier. Je commencerai par le dernier point, son actualité. Euh, pour beaucoup d'intellectuels, je pense que son actualité euh, est pressante parce qu'ils estiment, à tort à mon avis, euh, que c'est la seule réponse aux lectures fondamentalisme qui causent beaucoup d'effroi et dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, ces lectures historico-critiques, euh, elles datent euh, d'il y a longtemps, puisqu'il y a déjà, pour m'en tenir euh, à la perspective juive, des auteurs comme Im Ezra au XIIe siècle, puis euh, le célèbre Spinoza dans son traité théologico-politique, qui euh, ont dit euh, « voilà comment il faut lire la Torah ». Et donc c'est une lecture qui se veut aussi normative. Et c'est une lecture qui se sert, à l'heure actuelle, euh, de l'apport des sciences humaines, en particulier aussi... Euh, de l'apport de l'archéologie, de l'apport de l'histoire, donc de l'apport de la linguistique, de l'apport de toutes ces, ces, ces sciences euh, importantes pour nous, et qui prend le texte tel qu'il est, tel qu'il nous est donné, tel qu'il est écrit, comme si, et ça c'est un point important, comme si c'était un point d'achèvement. Alors qu'on verra que ce n'est pas forcément exact de penser que c'est un point d'achèvement. Et. Ces, ces historiens essayent sur la base de ce texte et puis des outils de la science, de la rationalité, des questions scientifiques qu'ils posent au texte, de voir si ce que dit ce texte euh, est corroboré par les faits. Est-ce que, par exemple, il est bien vrai euh, que les Hébreux euh, sont sortis d'Égypte et ont traversé la mer pour ensuite aller dans le désert. Et donc cette perspective elle vise euh, à euh, chercher un, un référent et essayer de, de voir si ce que dit le texte le corrobore ou pas. C'est à dire elle est, elle est vraiment intéressée à savoir est- ce que c'est vrai ou pas d'un point de vue d'un point de vue factuel. ça c'est un paramètre important. Et l'autre paramètre important dans la lecture que font les historiens et, et critiques, c'est est-ce que nous pouvons, et souvent ils prétendent que oui, reconstruire ce qu'a voulu dire l'auteur. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire le rapport au langage. C'est un rapport au langage qui cherche à voir est-ce que ce verset peut nous éclairer sur ce que pensait l'auteur. Par exemple, Spinoza, donc déjà au XVIIe siècle, essaye de voir qu'est-ce que Moïse a voulu dire lorsqu'il dit Dieu est un feu. Et Spinoza dit il ne s'agit pas de dire que c'est faux c'est stupide c'est ridicule c'est imaginaire il s'agit de voir qu'est-ce que ça veut dire dans sa perspective à lui dans le contexte de son époque à lui et il explique que c'était une image pour lui pour parler de la jalousie de dieu puisque il estimait que c'était ainsi qu'il qu s'agissait de voir dieu donc si vous voulez cette perspective elle est tout entière tournée vers le passé vers le passé des auteurs et vers le passé euh, du contexte historique et géographique, euh, euh, en, se, en essayant de voir comment, par exemple, un texte mésopotamien où il est question du déluge a pu influencer l'auteur biblique qui lui aussi a parlé du déluge. Alors, il, y a, il y a dans cette façon de, de faire, donc d'une part on est tourné vers le passé, une recherche d'objectivité, une recherche de vérité, mais il y a peut-être une idéologie sous-jacente, sous parce que euh, dans l'exemple du déluge que vous venez de, de citer, dire que ce texte vient des Mésopotamiens, c'est de dire en même temps, même si on ne le dit pas, qu'il n'y a... Premièrement, pas de révélation. Deuxièmement, qu'il n'y a pas euh, d'originalité de, de ce texte. Ça efface la spécificité euh, du texte hébreu et que ce texte, en fait, n'a rien à nous enseigner. Et, et vous venez de dire quelque chose qui me semble très important, c'est que euh, ces, ces historiens, historico-critiques, euh, pensent le texte, une fois sa vérité euh, établie, comme euh, achevé. Alors que vous proposez justement de dire que c'est précisément au moment où euh, le texte est achevé qu'on euh, on, on, on entre dans le, dans le devenir de l'histoire, de dans le devenir de ce texte. Oui, alors pour reprendre l'exemple euh, du déluge, peut-être est-ce vrai qu'un qu récit du déluge mésopotamien a pu influencer euh, l'auteur biblique encore que la notion d'influence, à mon sens, n'explique strictement rien, parce qu'il s'agit de savoir pourquoi on a choisi ce texte, quel rôle on lui donne, et surtout, par rapport à ce que vous venez de dire, quelle interprétation on lui donne. En soi, le texte ne dit rien de, ce, de cette interprétation. Donc, si vous voulez, d'emblée, même, même si c'est vrai qu'il y a eu un choix d'un texte autre, c'est aussi un choix qui est ouvert sur l'interprétation et sur le sens que l'auteur qui l'a emprunté lui faisait. Et alors c'est tout à fait vrai que chez beaucoup d'historiens euh, euh, critiques, euh, l'idéologie au sens large du terme idéologie sous-jacente, c'est quand même... Comme vous venez de le dire, de priver le texte de sa singularité en disant bah ben voilà, et, et Botero dit Il est rentré dans, dans, dans l'histoire commune avec, ce, avec cet emprunt. Et par ailleurs, beaucoup d'historiens euh, critiques, alors actuels, très contemporains, comme Botero d'ailleurs, ont une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête, c'est très très visible dans le livre de quelqu'un qui par ailleurs a été considéré comme très célèbre, mais moi je suis assez sévère envers lui, qui est Liverani, parce que on voit bien que les questions qu'il pose au texte sont des questions qui sont marquées par son désir de montrer que ce texte en fait organise une domination sur le peuple. Et donc, ce n'est pas des questions neutres, ce n'est pas des questions euh, scientifiquement euh, euh, absolument ouvertes à la vérité, c'est des questions où il veut montrer euh, cela. Et, euh, euh, voilà. et comme, par exemple, on voit aussi dans, chez certains auteurs euh, historico-critiques dire, à propos des auteurs bibliques, l'auteur a nécessairement voulu dire ou a très probablement voulu dire, mais qu'est-ce qu'ils en savent Or, ils en savent ce que leur présupposé, souvent politique, euh, les dispose à savoir. Et alors justement, comme Ricoeur dit euh, très souvent, il le souligne euh, un historien n'est pas quelqu'un qui a un savoir objectif. Il vient avec sa propre subjectivité, avec ses propres questions. Et comme vous le dites, ses propres questions orientent, euh, orientent les réponses. Alors. Ce qui est important, c'est maintenant de comprendre par rapport à ce, euh, cette lecture historico-critique sur laquelle euh, vous êtes très critique justement, essayer de comprendre comment se situe la lecture euh, spirituelle. Le texte ne nous renseigne pas donc seulement sur les, les points du passé, il faut que le texte aille plus loin, il ne nous renseigne pas, mais il enseigne et il faut écrivez vous cesser de considérer la dernière rédaction des textes et leur introduction dans un canon comme un moment d'achèvement pour envisager le devenir de la bible dans l'histoire ce que vous commentez ainsi l'écriture se révèle en effet comme un moment d'ouverture et non de clôture catherine chalier oui c'est très important parce que L'historico-critique, je ne veux pas non plus avoir l'air de mépriser l'apport des historiens euh, critiques, il y, a, il y a un savoir qui est apporté qui, qui peut être tout à fait intéressant, euh, mais il laisse la question en suspens, la question suivante en suspens, qu'est ce livre pour nous Or ça c'est la question que les juifs se sont posés tout au long de leur histoire, de savoir qu'est-ce que ce livre pour nous Et ils ont répondu justement en disant, ce livre appelle une interprétation tout au long des générations, c'est-à-dire l'écriture n'est pas la fin, l'écriture c'est le commencement et donc le verset nous demande de, de l'interpréter. D'où cette grande tradition dans le judaïsme euh, que la Torah écrite est indissociable de la Torah orale, en hébreu Torah Shebealpe, c'est-à-dire la Torah qui est sur la bouche et donc la Torah qui est vivante. Et Or, cette Torah qui est sur la bouche, cette Torah qui est, qui est vivante, euh, elle ne vit qu'à condition que des êtres humains de chair et de sang l'interrogent, lui posent des questions qui ne sont pas forcément des questions de scientifiques et qui ne visent pas forcément à se dire est-ce que ça s'est bien passé comme ça, mais qui visent au, à, à, à montrer, et ça c'est mon, mon, mon point essentiel dans le texte, comment la langue et porteuse d'une richesse sémantique euh, qui euh, se déploie au cours des générations, ou encore pour le dire autrement, que ce texte se révèle, se déploie grâce aux subjectivités des êtres humains. Et j'emploie à dessein ce mot subjectivité, parce qu'il est précisément déconsidéré par les scientifiques, qui y voient la plupart du temps euh, la folle du logique, comme dirait Pascal. Euh, mais en fait, cette subjectivité n'est pas le pur lieu de l'errance, de l'imaginaire, de, de, de tout ce qu'il faut écarter euh, pour arriver à la vérité. De cette subjectivité naît aussi des questions, des questions qui vont permettre de déployer les significations au cours du temps, et euh, c'est euh, cela que, que la, la tradition euh, juive a, 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 a montré, et ce n'est pas une subjectivité isolée, chacun dans son coin, c'est aussi celle du peuple, c'est-à-dire au fond, euh, le peuple s'interprète en interprétant, les individus s'interprètent en interprétant, euh, et, et c'est pour ça que j'appelle aussi cette lecture une lecture spirituelle, c'est-à-dire une lecture qui présuppose que nous ne pouvons aller vers la vérité qu'en nous transformant nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme dirait, je recite encore Ricoeur, qui dit, se comprendre, c'est euh, comprendre un texte, c'est se comprendre devant le texte. Et euh, je me pose la question, pourquoi choisir l'expression le, euh, lecture spirituelle, plutôt que lecture existentielle Parce qu'en disant existentielle, euh, vous avez exactement le même sens, c'est-à-dire que euh, le texte se comprend dans la transformation du lecteur, et qui amène toute sa Subjectivité aussi. Parce que dans le mot spirituel, il y a le mot, euh, il y a le, en, en hébreu, roar, euh, il y a le mot esprit, il y a le mot souffle, il y a le mot vent. Euh, et, et je pense que c'est donc aussi une lecture euh, qui, qui, est, qui est marquée par ça. Et, so, et, la, et, et, la, et le texte, c'est un texte qui nous inspire. Euh, et qui nous inspire à condition que nous l'accueillions en nous-mêmes et que nous grandissions grâce à lui. Et Spiritualité ne veut pas du tout dire quelque chose de vague comme souvent c'est le cas. Pour moi, ça a ce sens très précis qui était d'ailleurs déjà dans les philosophies grecques de l'Antiquité, c'est-à-dire que c'est aussi un travail sur soi qui est requis, un travail sur soi pour aller plus loin dans l'interprétation de la lettre. Et ça, c'est un point essentiel. Si, si on s'il n'y a pas ce travail sur soi. Euh, eh bien, euh, cette avancée dans le, dans le pouvoir de signification de la lettre ne peut pas se faire. Alors, ce, cette idée de, 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 de souffle me rappelle une très belle image de, de Levinas que j'interprète à ma façon dans cette formulation en chaque mot euh, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle le souffle du lecteur et je rajoute toujours euh, il faut une fois que l'oiseau déploie ses ailes ne pas oublier de sauter sur son dos et de s'envoler avec lui alors c'est c'est exactement ça me semble-t-il que vous proposez dans un travail sur cette spécificité de euh, du langage hébraïque que ce que j'aimerais que euh, vous développiez euh, plus avant un exemple en, en Quoi la langue hébraïque, quelle est sa particularité qui permet justement cette, euh, cet approfondissement, cette enquête du sens, ce midrash comme l'on dit, euh, et qui permet non seulement de comprendre mieux le texte, mais de se comprendre mieux devant le texte, Catherine Chalier. Bah, comme vous le savez, euh, dans l'interprétation juive, on peut lire le texte à différents niveaux de lecture. On peut le lire au niveau c'est-à-dire le niveau littéral, mais lui-même est déjà à établir. Rachid, le grand commentateur juif du Moyen Âge, français du Moyen Âge, euh, s'en tient beaucoup au Pshat, mais c'est déjà un travail pour éclaircir ce sens Pshat. Bon. Ensuite, il y a le niveau Remes, c'est-à-dire le moment où on se dit que, que ce texte, il y a des allusions qui ne sont pas claires, et donc on, on se pose des questions pour euh, essayer de parvenir à, 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 les, à les élucider. Euh, et puis, il y a le niveau du drache, le niveau de la sollicitation, qui peut être philosophique, qui peut être de divers ordres, et puis le niveau du sot, du sens secret, mais toujours, toujours, pour répondre plus précisément à votre question, toujours en prise sur le texte dans sa langue hébraïque et dans les possibilités de sens de cette langue et j'ajoute une chose très importante. Je cite dans le livre une très belle parabole euh, du, du Zohar, le livre de la mystique juive, dans lequel il explique au fond, pour faire ce chemin dans, dans le sens, il faut être amoureux. Si on n'est pas amoureux, c'est-à-dire si, si on ne pressent pas qu'il y a une présence qui nous fait signe, mais il faut, il faut faire vraiment attention et, 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 et cheminer avec elle, nous n'y arrivons pas. Donc, ça veut dire que le désir de la personne qui étudie, des personnes qui étudient, euh, est, est sur le qui vive. Euh, et, et donc, c'est grâce aussi à ce désir euh, que euh, la, 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 le déploiement de l'herméneutique euh, devient possible. Alors, je pense, euh, vous avez cité Rachi et le Pchat. Et Je pense à ce, à ce commentaire de Rachid qui cite un verset pour expliquer ce qu'est le pshat. Il dit euh, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux paroles. C'est à dire comme si dans chaque mot il y avait au moins toujours deux significations, ce que j'appelle moi l'amphibologie, mais qui veut dire, et vous le reprenez, cette formule très belle de, de Lévinas où euh, le, le, le vouloir dire d'un mot est toujours dépassé par son pouvoir dire. Catherine Chalier, oui, c'est vrai, c'est pas seulement vrai en hébreu, bien entendu, hein. c'est vrai même si. Un, un, un texte en français, un poème en français, euh, ne peut pas être réduit euh, au vouloir dire de son auteur. Euh, si un texte, justement, est inspiré et inspirant, euh, il ne peut pas être réduit à l'intention consciente et volontaire de l'auteur. Il, il nous excède toujours. Donc, c'est la parole qui nous excède. Et dans la perspective biblique, cette parole qui nous excède, c'est parce que, selon la Genèse, cette parole, elle est créatrice. Et cette parole est créatrice et nous habite. Et à chaque fois que nous essayons de retrouver en nous cette force du commencement, cette force de la parole créatrice, alors nous pouvons cheminer un peu dans ce domaine de l'interprétation. Mais parfois, oui, nous perdons le chemin aussi. Chalier, on est en train d'entendre une musique de Avishai Cohen. Pourquoi ce choix Parce que le... d'abord j'aime beaucoup ce musicien et d'autre part ce morceau s'appelle Anima Amin. Alors on traduit souvent euh, Anima Amin par je crois, moi je n'aime pas trop traduire comme ça, mais plutôt euh, en rapport avec ce que nous disions justement tout à l'instant euh, j'ai confiance. Euh, J'ai confiance dans cette parole première qui nous habite euh, et, et qui nous fait, à euh, certains moments de notre vie, euh, justement, nous inscrire aussi dans cette force créatrice et en même temps, dans ce morceau, cette douceur. Oui, alors douceur de la musique et en même temps interprétation de la musique. Une musique, ça s'interprète comme un texte et on, on sent peut-être plus dans la musique que dans le texte euh, le, le, le devenir la temporalité le, quelque chose de, de ce déploiement et pourtant ce qui est, ressort de, de votre livre de vos recherches et de la manière juive de lire les écritures c'est que l'interprétation n'est pas seulement là pour produire du sens mais pour produire du temps et pour produire de l'histoire comme s'il y avait quelque chose de très spécifique dans le judaïsme c'est que euh, l'histoire n'existe pas mais serait la somme des interprétations que les milliers et L'infini des interprètes ajouterait au sens du texte, Catherine Chalier L'interprétation se continue, euh, la révélation se continue et elle a besoin, euh, justement, euh, de la suite euh, des générations euh, pour y parvenir. Donc, une autre façon de dire histoire, c'est aussi toldot, c'est-à-dire précisément euh, les générations. Alors... Un historien pourrait nous objecter, oui, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire est essentiellement euh, événementielle, mais dans l'interprétation telle que j'essaye de la penser, ça ne veut pas du tout dire que les événements euh, qui se passent n'existent pas. Au contraire, toutes les questions euh, qui sont posées sont aussi des questions euh, qui sont euh, euh, Posées en rapport avec ce que vivent les personnes. Ce pas des questions abstraites, ce pas des questions euh, euh, comme ça qui se perdent dans une métaphysique qui n'est absolument pas enracinée dans la concrétude. Donc, c'est des questions aussi qui sont suscitées par nos joies, mais aussi par nos peines, par nos échecs, euh, et quand je dis « nous », c'est aussi collectivement, bien entendu, euh, euh, par des événements euh, totalement tragiques euh, comme euh, ceux que, qui ont eu lieu dur durant la Shoah. Et j'avais écrit il y a quelque temps un livre sur Rabbi Kalonymus Kalman Shapiro, qui était un rabbin dans le ghetto de Varsovie euh, et qui s'interrogeait sur le sens de cet événement historique effroyable qu'il qu était en train de vivre. Et alors c'était très, très intéressant. Par rapport euh, à votre question, euh, parce que euh, il utilisait tout à fait les catégories bibliques, c'était son monde, il n'avait euh, aucun vocabulaire qui soit un vocabulaire du, du type nazi, etc. Non, c'était la catégorie des méchants, etc. Mais euh, c'était aussi un, 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 une façon pour lui d'interroger les versets et de renouveler leur pouvoir de sens en fonction de ce qu'il vivait c'est-à-dire la tragédie qu'il vivait lui donnait l'audace de poser des questions des questions euh, très fortes euh, au texte et d'en dévoiler des aspects de sens euh, qui n'aurait pas été possible de dévoiler autrement. Et, et donc là, on voit bien que le texte aussi accompagne cette histoire et elle, elle accompagne aussi ces tragédies, pas du tout d'une façon euh, pour, euh, qui, qui la justifierait comme euh, certains rabbins malheureusement ont tendance à, à le penser en disant voilà vous avez péché donc voilà. Dieu, bon. Mais au contraire, qui, qui des questions neuves au sens de, de, de quelque chose qui, qui dinouille. Euh, et euh, qui, qui c'est pour ça que ce, ce, ce rabbin est absolument admirable, euh, parce que euh, jusqu'à la fin, ce qu'il veut, lui, c'est que ces ouailles, si je puis dire, ne meurent pas sans une parole de Torah, parce que cette parole de Torah, euh, elle n'est pas une simple consolation, euh, elle est aussi ce qui donne sens à la vie au cours des générations. On a l'impression, euh, en, en, en vous écoutant, que le, la notion d'interprétation, mais de renouvellement du sens, est, est une clé de cette lecture spirituelle existentielle, ce que vous appelez euh, d'un mot que nous aimons bien tous les deux, le ridouche, le les ridouchim, le, le renouvellement du sens, comme si un, un texte faisait sens non seulement par le sens qu'il a déjà acquis, mais par la capacité que nous avons à le renouveler. Et j'ai l'impression que ce renouvellement du sens, ce ridouche, n'est pas dans le temps, mais produit lui-même le temps, et que c'est la somme des commentaires nouveaux qui vont produire une histoire, et bien sûr en lien avec le contexte historique, politique, social, mais s'il n'y avait pas cette parole nouvelle, il n'y aurait pas euh, l'instant. Les, les philosophes se posent la question de qu'est-ce que le temps Et là, j'ai l'impression qu'on a une, une piste nouvelle qui s'ouvre pour nous. Oui, c'est une piste nouvelle, et je voudrais préciser par rapport au, au Hidouche, donc au, au renouvellement. Souvent, dans les textes traditionnels racidiques que je cite beaucoup dans ce livre, euh, il y a l'idée la Torah est éternelle, mais éternel ne veut pas du tout dire en dehors du temps. Euh, elle veut dire que justement à chaque instant elle, elle, elle se renouvelle et donc pour répondre plus précisément à votre question c'est une perspective sur le temps qui n'est pas un temps continu linéaire mais c'est un temps qui est au contraire discontinu euh, et qui requiert le passage au temps des autres comme dirait euh, lévinas euh, et c'est ce passage au temps des autres euh, qui euh, permet donc euh, ce, ce redouche et ce, 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 ce renouvellement du temps en même temps que du renouvellement des significations. Alors la question se pose, euh, quelle fin pour cette histoire C'est-à-dire, quelle fin dans le double sens C'est-à-dire, quelle finalité de cette histoire et quel, vers, quoi, vers quoi elle tend, Catherine Chalier Alors, euh, on pourrait dire, elle tend vers le sens ultime. Mais le sens ultime, euh, il faut en passer par tout ce qui précède pour y arriver et ce sens ultime peut-être que c'est le sens premier oui. euh, mais euh, en tous les cas nous ne pouvons pas euh, le savoir sans euh, en passer par la, la pluralité des personnes la pluralité euh, des générations oui. et en tous les cas ce sens ultime euh, comme dit levinas dans une de ses, de ses réflexions sur le messianisme ce sens ultime euh, voilà personne ne l'a vu Personne ne l'a vu. Et ça, c'est très important parce que justement, personne ne peut dire, c'est ça la vérité du texte et l'histoire s'arrête là et avec moi. Euh, pas du tout. Euh, on est aussi dans la fragilité du sens, dans la pluralité et dans la fragilité. Et, dans, et, et surtout, il faut surtout veiller sur cette fragilité. C'est vraiment notre tâche de veiller sur cette fragilité. Mais cette fragilité est grande, cette fragilité est belle et c'est elle qui nous donne de vivre. Patience et, et, et patience de l'étude euh, c'est un mot qui revient souvent dans votre réflexion, la patience fragilité et euh, ce sens ultime qui est en fait un, un inconnu qui excède notre connaissance, qui l'excèdera de manière euh, infinie et qui, qui est peut-être le, le moteur même du désir. Est-ce que, est que l'histoire qui est en train de se créer n'est pas aussi l'histoire du désir des, 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 des hommes Catherine Oui, j'ai insisté sur, sur, sur le désir euh, tout, tout à l'heure, mais il faut aussi euh, ne pas trop s'enthousiasmer trop vite, euh, parce qu'il euh, y a aussi une part sombre en nous-mêmes, et les sages eux-mêmes disent, la Torah, ça peut être euh, une, un, un poison, Sam Mavet, euh, ou, un, ou un élixir de vie, euh, donc Sam Chaim de, de, de la vie, c'est-à-dire, malheureusement, nous pouvons aussi euh, euh, l'utiliser pour... Euh, Utiliser cette, cette, cette aura pour justifier euh, les côtés sombres qui nous habitent. Et alors, ce qui me semble intéressant par rapport à la lecture, ce que j'appelle spirituelle, et, et que je trouve surtout chez le Rassidim, c'est-à-dire quand il voit par exemple un personnage biblique euh, très néfaste, type Amalek, il n'y a, a pas mieux comme personnage néfaste dans le texte biblique en ce qui est, par rapport aux Juifs. Alors, une lecture euh, historique. Et, 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 et violente, euh, va dire, ben, Malex, c'est ceci, c'est cela. Et donc désigner le coupable et éventuellement vouloir agir en conséquence. Mais le chassis dit dire, ah, attention, Malex, c'est aussi une part en vous-même. C'est aussi cette part sombre en vous-même sur laquelle vous devez travailler. Et donc, du coup, euh, euh, nous avançons dans notre propre désir en, en, en le laissant s'éclairer. Euh, par ce, 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 que nous venons, ce que nous venons de lire, plutôt que de le projeter dans une extériorité que nous devrions combattre. Donc la question qui se pose est. Implicite dans tous vos propos, c'est euh, quelle est la limite de l'interprétation C'est-à-dire, euh, il y a un texte, on peut le renouveler, il y a du sens, mais est-ce que l'on peut tout dire Puisqu'on a une liberté subjective de, de tout dire, est-ce qu'il n'y a pas un, une règle qui limite euh, l'interprétation Catherine Oui, Chaline. bien sûr, il y a une règle en ce sens que l'interprétation juive ne se fait pas tout seul dans son coin euh, elle se fait euh, avec toute la tradition. C'est-à-dire, c'est aussi un dialogue à travers les âges, donc à travers l'histoire au sens courant du terme. C'est aussi un dialogue avec les maîtres du passé, un dialogue avec eux. Et donc, euh, euh, la. la ce que l'on peut apporter euh, va se situer dans ce, dans ce grand dialogue. Donc, ce n'est pas simplement euh, une lecture d'une personne isolée euh, qui trouve ceci ou cela. Donc, c'est une lecture très instruite, c'est une lecture très savante. Euh, dans, dans les Yeshivot, on passe sa vie à étudier. Donc, ce n'est pas simplement euh, la première idée qui me passe par l'esprit. Ça y est, c'est ça que veut dire le texte. Alors, c'est absolument euh, passionnant. Je vous propose euh, euh, de continuer cette conversation. Euh... La semaine prochaine, pour découvrir plus en détail les méthodes de la loi orale, comprendre avec vous comment cette attitude herméneutique permettra, ou permet en tout cas d'échapper au piège des idéologies. Merci encore Catherine Chalier. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wagnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Philippe Palares, réalisation d'Annie Journaux. Vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site de France Culture à la page Talmudique où vous retrouverez aussi toutes les informations concernant le livre de Catherine Chalier, Lire la Torah, paru aux éditions du Seuil. Coltouv, le Hitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.